Non. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça me fait peur. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo, et je sais pas si vous me comprenez. Ça fait combien de temps ça? Parce que, dites-moi si ça fait 40 ans. On va voir toutes les cartes Pokémon, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que ça fait 20 ans que je l'ai jamais utilisé. Non. Du coup, c'est parti les amis, go voir mes cartes Pokémon. Oui. Du coup, voilà les amis, du coup, on a le premier truc. Donc, s'il manque des cartes, les amis, c'est des nuls. C'est des cartes nuls. Non. Du coup, les amis, on commence délicatement. Voilà. On commence délicatement par Milopinus. Donc, qui est une carte très très nulle. Donc, je vous la montre. Voilà. Donc, elle est jolie, mais bon, je crois pas qu'elle soit très très forte. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, je vais pas tous les faire. Du coup, voilà, toutes les cartes que j'ai. Non, c'est pas tout. Après, j'en ai jeté, hein, bien évidemment. Après, on a ça. Voilà. Je vais montrer les plus cools, voilà. Ok, j'en ai 7 à vous montrer. On va commencer doucement par Viridium. Donc, Viridium, je l'ai prise parce qu'elle brille. Oh non. Là, elle brille, mais on voit pas. Vraiment, elle brille. Donc, 110 HP, double pioche, rafale de feuilles. Voilà, je me dis qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est le numéro 640. Poids 200 kg. Non, c'est bon, en plus, il y a vraiment marqué ça. Bref, du coup, on s'en fout. Hein, ça va. Je voulais dire que c'était une carte plutôt cool. Voilà. Voilà. Donc, après, on. Ah là, là. Non, on va faire pas là. Hop. Zekrom est incroyable. Bien évidemment à 130 HP. Vous pouvez mettre en pause sur la vidéo si vous avez mal vu la carte. Non. Colère, charge de foudre, 2,9 mètres de taille. C'est le numéro 644. Voilà, non mais voilà, non mais je vous apprends tout. Non. Maintenant on va passer par une carte, frère. Pardon. Je suis amoureux, non. C'est bien évidemment blanc. Ouais, vraiment, je m'en fous de lire. Donc voilà, donc charge, destruire un screen streak, flamme de glace. Bah, si c'est des flammes de glace, alors. Bref. Numéro 646. Encore. Ça fait beaucoup là, non. Du coup, voilà. Bon, ah, bah, je sais pas pourquoi je l'ai prise parce que c'est ma carte préférée. Allez, moi je. Maganon, 100 HP, numéro 467. Super Pyro et Point d'Enfer. Oh, Super Pyro. Oh, c'est. Bref. Alors, ça là, je suis amoureux. J'en ai deux, elle brille. Maman, elle brille. 130 HP, Flamme de Bouzard. Salut, Flamme de Bouzard. Flamme de Bouzard. Acrobatie, coup d'éclair, et numéro 663. Et bien évidemment. 1,2 mètre. 1,2 mètre. Ça se dit pas. Là. Alors, lui, il y avait la suite. Mais bon, mon frère l'a pas arraché. C'est juste qu'en fait, on l'a pris comme ça. Non, moi, il y avait une meuf ici. Mais bon. Il s'appelle Darkray. Et elle, on la voit juste un tout petit peu. Elle s'appelle Cresselia. Donc, bien évidemment, vous pouvez voir la carte d'un peu plus près. Voilà, voilà. Les amis, je suis amoureux de ça là. C'est incroyable. On la montre, attention! Alors, bien évidemment, c'est un coffre-fort. Dedans, on peut l'ouvrir. Voilà. Comment on fait pour l'ouvrir? Alors, non, on ne prend pas par là. Je vous dis, vous êtes prêts? Et là, vous appuyez. Et là. Attendez, hein. Ok. C'est bon, je pense qu'elle était coincée. Bien évidemment, c'est ça là. Elle est incroyable. C'est pas ça là. C'est ça là. Elle brille. Elle est magnifique. 170 HP. Elle coûte une fortune, ok? Elle date de 1900. Non. Regardez-moi ça là. Ça là, je la mets. Venez me cambrioler chez moi pour la voir. Non, mais je sais, maintenant on a des dracos 2.0. Moi, tu vois, j'ai des cartes. C'est ton papa. C'est à mon grand frère. Putain! J'arrive pas à mettre la carte. Du coup, voilà, je sais les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai pas que vous aurez plus, je sais, elle a pas duré non plus très longtemps. Bien évidemment, les amis, on fera des suites. Et je sais que vous allez dire, oh, mais c'est des cartes de merde. Mais non, on a des dragons feu de poison qui, oui, qui crache des palettes. Et quand il crache du feu, et quand il pèse, il pisse des fleurs. C'est bon, les amis, c'est bon. On était en 1980. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis, bon.